Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire le troisième et dernier labo d'épreuve qui est Kyosumi Circuit. C'est parti. Alors on accède au championnat solo. Je vais prendre comme voiture. Pouf, qu'est-ce que je vais prendre? Mais je vais prendre l'Audi S1 là de 2015. Vous prenez la voiture que vous voulez, aucune importance. Alors voyons voir la grille de départ. Ok. Difficulté paramètres, je me mets en touriste histoire de gagner facilement et c'est parti. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ici, il y a déjà moyen de prendre un petit peu plus de vitesse. Les tournants sont un peu mieux faits. Ça, c'est bien. Les virages sont mieux. Ouais, c'est un petit circuit bizarre, en fait. Je dis bizarre parce qu'il y a une forme un peu bizarre. Et c'est pas non plus un circuit qui va me faire rêver, hein, malheureusement. C'est bien fait, c'est joli, c'est bien rempli, il y a des tunnels, ça fait pas vide, ça c'est vrai. Il n'a pas exagéré avec les virages, c'est bien aussi. Trop de virages tue le virage. Comme je disais pour la première course, où là c'est vraiment grave. Mais c'est pas si mal le circuit, mais ça fait pas non plus rêver, hein. On pourrait presque dire que c'est un circuit de GP. Presque, hein, parce que je suis pas tout à fait convaincu. Mais c'est pas mal quand même. C'est peut-être celui des trois que j'ai préféré. Le premier j'ai détesté, le deuxième il était mitigé, et celui-ci c'est peut-être, on dira le moins pire, c'est méchant de dire ça, mais encore une fois c'est le tracé qui compte, hein. Si le tracé n'est pas à votre goût, mais ici ça va encore. Ça va encore. On prend plus de plaisir. Il y a moins de virages, on peut prendre un peu de vitesse, c'est quand même agréable. Oui, c'est un circuit de GP, on pourrait dire. Il faudrait voir avec une voiture très très rapide ce que ça donnera. Je suis pas sûr que ça aille bien. Non, c'est pas mal. Il est agréable. C'est le meilleur des trois, en fait. J'y rejouerai peut-être. Je sais pas. Mais j'aimerais bien utiliser une voiture bien plus puissante que celle-là. Par exemple, une S1, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et eh bien voilà, c'est quasiment fini pour le meilleur circuit des trois de cette semaine. Mais encore une fois, c'est pas non plus un circuit qui fait rêver, hein. Mais c'est quand même un circuit pas si mal. Et voilà. On reçoit notre récompense, saut carpe emote. Et voilà, on vient de terminer le dernier labo d'épreuve de la semaine. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.